la lutte contre le changement climatique, la dégradation de l'environnement a toujours été une priorité des autorités de la transition en République de Guinée. C'est dans cet esprit du CNRD que le procureur général de la Cour d'appel de Cancan s'engage dans une tournée de sensibilisation dans les zones minières de sa juridiction pour donner un dernier avertissement aux acteurs impliqués dans la dégradation de l'environnement. Il y a des ressortissants étrangers qui sont en train de faire ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire chez eux. Il est temps de se ressaisir. L'exploitation de l'or ne doit pas être incompatible, encore une fois, par rapport au respect de l'environnement. Dans cet essence d'idées, Kodiaran et Koundian, qui sont les deux localités sérieusement impactées par la société minière de Mandiana, interpelle l'autorité. Au niveau de la société minière de Mandiana, les méthodes et procédés de cyanurisation ne sont pas du tout respectés. Il faut une disposition encadrante, voire même responsable. Donc ces faits sont concrets. Donc il faudrait que la communauté se plaigne du jour au lendemain. Même au jour d'aujourd'hui, ils vont aller se plaindre. Mais on a tout fait, il n'y a pas de solution. Devant ces cris de cœur, ces comportements de la dégradation de l'environnement et l'utilisation des produits non conventionnels, le procureur de la République près du tribunal première instance de Mandiana et le préfet de Mandiana promet d'agir. Nous n'allons pas reculer face à cette infraction parce qu'il faut que nous combattons ce fléau pour que cela cesse. Donc ces recommandations sont bien entendues et nous allons les appliquer à la lettre. Le message, c'est de dire à tous les exploitants de respecter le code minier et de respecter le règlement concernant l'exploitation, que ce soit artisanale ou minière. De Mandiana, Mamadi Konoma Keita pour JineMatin.com.